Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les cases de conjugaison dans SN. Donc on peut retrouver dans pas mal de leçons, comme sur les groupes finis, comme sur les surgroupes distingués, etc. Donc il y a quand même des leçons où c'est plaçable. Les cases de conjugaison, c'est toujours important dans le monde des groupes. C'est ce qui est. On regroupe des éléments qui se ressemblent. Hein, c'est qui se ressemble, ça semble. On regroupe des éléments qui sont finalement un peu interchangeables, hein, qui ont un peu le même type de comportement dans le groupe, et par exemple, un peu comme des matrices semblables. Voilà. Donc c'est de la ressemblance, en fait, la conjugaison. Et dans SN, on a assez facilement, contrairement à GLN, dans le groupe SN, on a assez facilement un critère, hein, un invariant total, ce qu'on appelle, des classes de conjugaison. C'est-à-dire quelque chose, un objet qui nous permet de dire tout de suite si deux permutations sont ou non dans la même classe de conjugaison. Alors, ce qui va être important, hein, le prérequis, ça va être surtout la décomposition en cycles à support disjoint. Donc, par exemple, dans S4, vous prenez 1, 3. Eh bien, là, je vais faire quelque chose de particulier. C'est que je vais rajouter les cycles de longueur 1. Ce n'est pas si artificiel que ça. Je trouve que c'est plutôt artificiel de les supprimer. Hein. C'est artificiel, mais c'est pratique de les supprimer. On a besoin de les écrire. Mais en théorie, ils sont là, hein, les cycles de longueur 1. Donc regardez par exemple une transposition d'un S4, 1, 3, bah, sa décomposition, ça va être 1, 3, et puis on rajoute 2 et 4. Et en général, ce que vous faites d'habitude quand vous faites une décomposition en cycle à support disjoint, bah, vous rajoutez ensuite le produit des invariants, finalement. Ok, ce qui est important maintenant, c'est la formule de conjugaison. Alors ça, c'est essentiel, c'est de savoir que quand on conjugue un cycle, I1 jusqu'à IK, eh bien, ça nous donne, on conjugue par la permutation taux, eh bien, ça nous donne le cycle taux de I1 jusqu'à taux de IK. Voilà, ça c'est important, parce que quand on va prendre nos cycles à support disjoint, ici, notre produit de cycle à support disjoint, et qu'on conjugue, eh bien, on peut, ici, hein, par une formule connue, parce qu'on peut simplifier taux moins un taux à chaque fois, ce qui fait que ça, c'est bien égal à ça. Et ça fait que le produit des conjugués est égal au conjugué du produit. Alors ça, on aime bien, hein, ça veut dire que la conjugaison est un automorphisme de groupe. Voilà. Et ici, on ressort cette formule-là. D'accord? Donc, on peut conjuguer facilement n'importe quel sigma grâce à la décomposition et en cycle à support disjoint et la formule de conjugaison qui est ici. En plus, ici, à partir du moment où ce sont des taux de IK qu'on va retrouver ici, comme taux est une permutation, donc une bijection, à partir du moment où ici on a du support disjoint, bah ici aussi on va avoir des cycles à support disjoint. Ça c'est important de le dire. Alors allons-y maintenant, on va donner cet invariant total de conjugaison. À une permutation sigma de Sn, on va associer la partition de n, qu'on va appeler P sigma, des longueurs de cycle dans sa décomposition en cycle à support disjoint. Donc par exemple, hein, on va regarder juste les longueurs. Donc par exemple, on avait pris 1, 3 et on va prendre 2, 1, 1. C'est les longueurs qu'on va avoir. Bon, je n'ai pas pris l'exemple le plus compliqué, mais je pense qu'il faut pas, c'est pas la peine de prendre des exemples compliqués pour comprendre ce que ça veut dire. Ici. Bon, vous comprenez pourquoi là, on rajoute les cycles de longueur 1. Bah, c'est pour obtenir à la fin le compte est bon, quoi, hein, qu'on retrouve bien le 4. Hein. Ici, on a une liste de tous les éléments de 1 à 4. Et donc, on peut avoir 2, 1, 1, qui est une partition. Alors, ça s'écrit comme ça, partition de 4. Ça veut dire que 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Et on les a ordonnés
de cette manière-là, hein, du plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, pour éviter l'ambiguïté et la confusion. Voilà, bon, alors, le théorème, premier théorème important, ces deux permutations sigma et sigma prime sont conjuguées dans Sn si et seulement si leurs partitions associées sont égales. Voilà, donc c'est ça, hein, ce qui va nous permettre d'avoir un critère de conjugaison, un invariant total. Bien, alors comme d'habitude avec les invariants, l'implication est facile, mais c'est le retour qui est difficile. Effectivement, là, le seulement si, c'est OK, hein, parce que ici, hein, quand on va conjuguer sigma, on va obtenir, on avait dit ici, un produit de cycle grâce à cette formule-là, de même longueur, ici. Et donc, à chaque fois qu'on a un conjugué, eh bien, on obtient une décomposition en cycle à support disjoint, dont je rappelle qu'elle est unique à permutation près, et de même longueur, hein, grâce à cette formule. Bon, alors, donc l'application, c'est bon. La réciproque n'est pas bien dure. Si sigma se décompose comme ceci en cycle, sigma prime se décompose en cycle, toujours à support disjoint, et qu'on a les mêmes partitions, P sigma égale P sigma prime, eh bien forcément ici, bon ben j'ai pas mis K prime, K est égal à K prime, ici on a le même nombre de cycles. Pourquoi on a le même nombre de cycles? Ben, c'est normal, puisque le nombre de cycles, c'est exactement le nombre d'éléments, hein, dans la partition. Si, donc à partir du moment où c'est égal, ben, il y a le même nombre d'éléments, donc le même nombre de cycles. Donc maintenant, on va prendre ces J. Donc ici, on suppose qu'on les a ordonnés, du plus grand au plus petit. Alors il n'y a pas unicité de l'ordre, hein, parce que ici, on a des supérieurs ou égales, il peut y avoir plusieurs cycles de longueur donnés. Donc, il n'y a pas unicité de l'ordre, on a mis un ordre ici. Donc, on va prendre Cj, donc I1, donc c'est le cycle I1 jusqu'à I indice Kj. Donc, C'J, donc ça veut dire que ça, c'est un cycle de longueur Kj. Eh bien, C'J, bah, puisque la partition est la même, bah, il va être aussi de longueur Kj. Et il va s'écrire I'1 jusqu'à I'Kj. Donc, maintenant, il suffit de prendre tau, tel que tau. Alors, vous voyez, d'une part, on a fait un choix, et ça va être important dans la suite. D'une part, on a fait un choix de Cj parmi les éléments qui avaient la même longueur que Cj, hein, parce que le fait d'avoir ordonné ne suffit pas, ordonné en longueur de cycle, ne suffit pas à dire que ce cycle-là est unique, parce qu'il y a des ex-aequo, en quelque sorte, en longueur de cycle, pareil pour lui. Et ensuite, on a fait aussi un choix du premier élément. D'accord? À partir du moment où on a choisi le premier élément, après le reste. Mais quand on décrit le cycle, hein, de I1 jusqu'à IKJ, il n'y a pas unicité d'écriture, je le rappelle. Hein, ça, c'est important. À partir du moment où on a choisi I1 parmi ceux-là, alors après, il y a unicité. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Alors, oui, bah maintenant, donc, on prend taux tel que taux de IS égale I'S. Voilà. Bon. Eh bien, et on va faire ça pour tous les J. Alors, c'est possible, hein, parce que les I vont être, les supports sont disjoints. Donc, on va pouvoir avoir une liste ici d'éléments de Sn, d'accord, et ici une autre liste d'éléments de Sn, et on sait qu'il existe une bijection qui va envoyer la première liste vers la deuxième liste. Voilà, et ça va être ce taux, et d'après les formules de conjugaison, ben, on va bien avoir, hein, d'après ça et ça, que taux sigma taux moins 1 est égal à sigma prime. Donc ça, c'est important, hein, par exemple pour S4. Hein, quels sont les éléments qui se ressemblent dans S4 et qui sont interchangeables en quelque sorte dans S4?
Eh bien, ce sont les éléments qui ont même partition associée. Quelles sont les partitions associées? Eh bien, c'est les partitions de 4. Vous avez 4, vous avez 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, et 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà, c'est ça les partitions. Ça correspond ici à la classe de conjugaison des 4 cycles, là des 3 cycles, là des doubles transpositions, là des transpositions, et là, ici, ben, c'est juste la classe de conjugaison singletonne de l'identité. Alors maintenant, on va calculer le cardinal d'une classe de conjugaison associée à une partition. Donc on va partir d'une partition, on va considérer la classe de conjugaison associée et on va calculer son cardinal. Voilà, c'est une formule assez connue, mais dont on ne voit pas dans beaucoup de livres la preuve. Donc, bon, je propose une preuve. Donc là maintenant, on va regarder le cardinal hein, d'une classe de conjugaison, c'est sigma, associé à, finalement, comme on vient de le voir, à une partition, P sigma. C'est un peu technique, donc c'est fait dans Nouvelles Histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 13, annexe C1-6, corollaire C1-6. Alors regardez, on va noter aj sigma, le nombre de fois que j apparaît dans la partition. Que le nombre j, hein, j qui va être de 1 à n, va apparaître dans la partition. Eh bien, allons-y. La formule, le cardinal de ces sigma, c'est factoriel n sur le produit des j allant de 1 à n, on est dans Sn, hein, de aj de sigma factoriel, fois j puissance aj de sigma. Alors, on peut voir dans un premier temps déjà une structure classique avec le cardinal du groupe ici et le cardinal forcément d'un stabilisateur parce que la classe de conjugaison, c'est une orbite. Hein, donc, on a la formule des classes, hein, forcément. Alors, comme exemple, on est dans S13 et on va regarder, je ne me suis pas embêté avec le choix, cette permutation, donc qui est donnée par sa décomposition en cycle à support disjoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis 11, 12, 13. Voilà. Alors, déjà, vous ne vous préoccupez pas du reste, là, hein, on regarde juste ça. Qu'est-ce que ça va être le cardinal de sa classe de conjugaison? Donc, on met factoriel 13 en haut. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme longueur de cycle? Vous voyez, ici, vous allez avoir deux cycles de longueur 4. Donc là, vous allez avoir 2, ce 2, il va être en factoriel, fois 4, puissance 2, ce même 2 ici. Alors après, il y a les tailles de cycles qui n'existent pas, comme par exemple 3, mais aussi 5, 6, 7, jusqu'à 13. Alors là, il n'existe pas, ça va donner quelque chose qui n'existe pas ici, ça va donner un 1, parce qu'on va avoir, comme ça n'existe pas, le nombre de fois qu'apparaît le cycle de longueur 3, c'est 0. Donc vous allez avoir factoriel 0 et vous allez avoir 3 puissance 0. Donc ça fait 1 et finalement, on s'en fiche. D'accord? Comme pour le reste, comme pour les cycles de longueur 5, 6, 7, etc. Maintenant, on va avoir un cycle de longueur 2, mais un seul, donc factoriel 1 et 2 puissance 1. Et puis, 3 cycles de longueur 1, donc factoriel 3 et 1 puissance 3. Voilà. Un exemple simple, après vous pouvez le faire pour par exemple pour un n cycle, ça c'est intéressant de le faire pour un n cycle. On devrait voir normalement factoriel n moins 1. Et oui, voilà. Alors allons-y. D'abord, donc c'est ce qu'on disait, hein, la formule des classes, vous avez C sigma, c'est une classe de conjugaison, c'est une orbite pour l'action de conjugaison, donc c'est en bijection avec le quotient Sn quotienté par le stabilisateur. Et le stabilisateur, pour l'action de conjugaison, c'est forcément le stabilisateur de sigma, c'est le centralisateur de sigma, l'ensemble des taux qui commutent avec sigma. Donc tout se ramène à calculer le cardinal de Z sigma. Alors la première remarque, c'est que si taux est dans Z sigma,
Alors, tau va envoyer un support de cycle pour sigma, donc par exemple 1, 2, 3, 4, sur un autre support de cycle pour sigma de même taille. Par exemple, 1, 2, 3, 4, en tant qu'ensemble, va être envoyé sur 1, 2, 3, 4, ou alors 1, 2, 3, 4 va être envoyé sur 5, 6, 7, 8. En gros, tau se transforme en une permutation, hein, des cycles à taille égale. Alors, regardez, donc si je fixe un XI, là ici, dans mon support de cycle, donc 1, 2, 3, 4 par exemple, et je vais poser YI égale taux de XI, alors l'image des autres éléments du même support que XI, donc ils sont de la forme sigma k de XI, hein, tous ces éléments-là, ils sont de la forme sigma k de XI, et bien quand je vais faire taux de sigma k de XI, comme taux commute avec sigma, ça va faire sigma k de taux de XI, donc sigma k de YI. Donc ça veut dire, ici, vous avez bien compris, que si je fixe par exemple X1 et que je l'envoie, je décide de l'envoyer vers Y1, alors cet élément-là va être envoyé sur bah, lui, 3 va être envoyé sur 5, 4 va être envoyé sur 6. Voilà. Et ce qui veut dire, entre autres, que l'image de taux par SI, forcément, va être dans un autre support de cycle. Et comme taux est inversible, taux va induire une bijection sur les supports de cycle. Et forcément, ils ont la même longueur, puisque taux va être une bijection sur les supports de cycle. Voilà déjà un premier élément important. Maintenant, voilà comment on va calculer Z sigma, hein, c'est le cardinal de Z sigma, c'est pas tout à fait évident, en partant de cette remarque. Alors, pour tout support de cycle, on va fixer un représentant XI du support. Donc voilà X1 pour le premier support, X2 pour le second support, X3, X4, X5, X6, là bon, bah, on n'a plus le choix. Et on a des supports qui sont regroupés en supports de taille égale. Hein. Et bien maintenant, j'affirme que taux est entièrement déterminé par la donnée de deux choses indépendantes. Une permutation phi j sur les supports de taille j, et pour tout j, l'image du représentant qu'on a fixé, xi, qu'on va appeler yi, mais qui est dans le support, non pas SI, le support de phi j de I. Donc ici, si vous voulez vous donner une idée, donc on a fixé 1, 5, 9, 11, 12, 13 comme représentant de chaque support de cycle. Et là, on a décidé que la permutation phi j, ça allait être la transposition entre ces deux-là. Ici, bah, c'est l'identité, on n'a pas le choix. Et ici, on décide sur ces trois-là de prendre une transposition. On aurait pu prendre ici, on aurait pu prendre l'identité, ici on aurait pu prendre l'identité, ou un trois cycles, ou n'importe quoi, mais il faut bien faire un choix. Alors, donc voilà pour les permutations. Maintenant, ça veut dire que x1, je suis obligé de l'envoyer vers un élément qui correspond à la permutation ici de lui, donc un élément de ce support-là. Et là, j'ai mon choix, je décide de prendre celui-ci, y1. Maintenant, x2, puisque la permutation, c'est ça donne ça et ça donne ça, je suis obligé de le prendre là-dedans, dans ce support. L'image par taux de x2, je suis obligé de le prendre là-dedans et je choisis par exemple 4. Voilà. Bon, bah, pour x3, il est égal à 9. Taux de x3, bah, je suis obligé de le choisir là-dedans. Hein, puisque là, la permutation, c'est l'identité, donc c'est là-dedans. J'aurais pu prendre 9, je prends 10 ici. Et ici, bien, j'ai fixé ma permutation, donc il faut que j'envoie x4 sur x5, x5 forcément sur
X4, il n'y a pas le choix, parce que j'ai décidé de prendre une transposition ici, et X6 sur lui-même. Voilà donc un taux qui va marcher. On va montrer d'abord l'unicité, puis l'existence. C'est toujours bizarre de montrer l'unicité avant, parce qu'on ne sait pas si ça existe, mais bon, voilà. Alors, l'unicité d'un taux. Ben oui, parce que ce que je vais montrer, c'est que taux de y, pour tout y de 1 à n, est entièrement déterminé. Donc, y de 1 à n, ben, il est forcément dans un des supports, puisque là, on a tous les éléments de 1 à n. Hein, d'accord? Donc, je vais, à partir du moment où il est dans un des supports, imaginons que ce soit lui, et ben forcément, il se met sous la forme sigma puissance k d'un représentant xi. Donc y égale à sigma puissance k de xi. Ce qui fait que taux de y est égal à sigma puissance k de yi, d'après la formule qu'on a obtenue ici, hein, parce que taux commute. Donc il y a unicité d'un taux dans z sigma, on s'est bien servi de la commutation. Parce que pour tout y, ceci est complètement déterminé. Yi est déterminé, il est là-dedans par le 1, et il est déterminé par le 2, et sigma, ben, sigma puissance k, est déterminé ici. Donc ici, on a unicité. Maintenant, l'existence. Donc on se donne pour tout j, ben, une permutation, hein, des supports, hein, de taille J donnée. Donc j'appelle phi J cette permutation. Donc je prends SI un support et je regarde S phi J de I son image. Et maintenant, je veux montrer l'existence d'un taux qui vérifie ça et ça. Et l'existence, qu'est-ce qu'il faut montrer? Ben, faut d'abord définir pour tout y de 1 à n taux de y, et ensuite montrer que le taux défini est bien dans le centralisateur de sigma. Alors, ben, on a SI et S phi j de I. Je prends un y, comme il est de 1 à n, il est forcément dans un SI. On va poser taux de y égale quoi? Sigma k de y. Alors attention, qu'est-ce que c'est qu'yi? Yi, il est bien défini, c'est le taux de xi, donc c'est ce qu'on a posé comme étant taux de xi. K, c'est quoi? Eh bien, k, étant donné que y est dans SI, y, il est de la forme sigma k de xi, pour le représentant xi, donc ici ça fait y égale sigma k de xi, et je vais poser taux de y égale ce sigma k de yi. Alors on pourrait tiquer et dire k il n'est pas unique, il est unique modulo la longueur du cycle, donc la longueur j, hein, du cycle. Mais étant donné que yi est dans un support de même longueur, c'est indépendant du choix, hein, de k modulo j. Et bien maintenant, on voit qu'on a bien défini taux, hein, puisque pour chaque y, on a une image. On voit que taux est injective, hein, évidemment, et que taux donc est bijective, donc on a bien une permutation. Et comme taux s'écrit pour chaque élément comme une puissance de sigma, il est facile de voir que taux rond sigma est égal à sigma rond taux. En conclusion, compte est bon, parce que quand on va calculer n sigma, le cardinal de la classe de conjugaison, elle est donc en bijection avec Sn sur le centralisateur ici, hein, qui est le stabilisateur. Ben, Sn, c'est factoriel n. Et ici, ben, ça dépend du choix, quoi, d'une permutation phi j pour tout j. Donc voilà, hein, puisqu'il y a à j de sigma le nombre de fois que j apparaît, donc il y a exactement a de j de sigma. Cycle de longueur J. Donc on va avoir une permutation pour tous les J, voilà. Et pour chaque J, on va avoir AJ de sigma cycle de longueur J. Et pour chaque XI
hein, qui est représentant de ces cycles de longueur J, il va falloir trouver une image qu'on va appeler YI ici, hein, qui est dans un certain support de longueur J. Ce qui veut dire que pour chaque XI, on va avoir J possibilités d'image ici, et comme il y a AJ de sigma élément, et bien ça fait J de AJ de sigma, et ce pour tout J évidemment, hein, d'accord. Donc vous pouvez vérifier que ça, ce dénominateur, ça va bien être par cette unicité, cette existence, le cardinal de Z sigma. Voilà. Alors, c'est un peu technique quand même à expliquer. Je vous conseille de regarder ça sur un ouvrage. Et c'est justement, c'est une formule qui était donnée dans le Perrin. Malheureusement, elle est parachutée, hein, dans le Perrin. Donc la preuve quand même est un peu pénible, comme vous pouvez le constater, mais toutes les idées sont là. Alors, entre parenthèses, on obtient quelque chose d'assez sympathique, c'est que comme la réunion des classes de conjugaison, donc les classes de conjugaison, ça forme une partition de Sn, ben, vous avez que la somme, ici, cette somme-là, est égale à factoriel n, donc la somme des 1 sur ceci, ça vous fait 1. Et ça, c'est une formule qui sert pas mal, et puis qu'on aura peut-être l'occasion de retrouver, parce qu'on la retrouve de temps en temps dans la nature, hein, cette formule. Voilà, on va donc s'arrêter là.